الحمد. الحمد. الحمد لله، كيف حالك؟ إذا الحمد لله والله الحمد. 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 الحمد، شكرا لك مرحبا إذا لك الكلمة شكرا جزيلا دكتورة هاجر مرحبا هل الرؤية واضحة؟ نعم Alors bonjour tout le monde, c'est Iman Chakour, euh, doctorante en informatique en dernière année à la Faculté des Sciences et Techniques de nîmes J'ai été élue par mon encadrant de thèse, euh, Monsieur Mohamed Beslam, pour partager avec vous aujourd'hui notre expérience sur ScoBot. Durant cette présentation, on va voir une introduction générale, un plan de recherche, les références téléchargées sur ScoBot, les résultats. Un bruyant et en conclusion, on va conclure notre présentation par une conclusion et quelques perspectives. Alors, précisément, quels sont les objectifs de Scobot? Mais avant de voir les objectifs de Scobot, qu'est-ce que Scobot? Scobot, c'est une intelligence artificielle qui est capable de vous orienter dans une recherche brillante, que ce soit un article, un mémoire, une thèse ou toute autre forme de rédaction, tout en vous faisant gagner plus de temps. Plus précisément, les objectifs de SCOBOT, c'est le fait de dé dédoubler pardon, la, produ la productivité de recherche arabe, numériser les contributions de recherche académique, générer de nouvelles idées, mettre en œuvre des plans complets avec moins d'efforts et de temps, et pourquoi pas améliorer la qualité de la recherche scientifique arabe. Donc, avant de, de vous exposer notre expérience, mais, mais avant tout, avant d'utiliser Scobot, nous devons avoir deux éléments. Nous devons préparer deux éléments un plan de recherche et les références liées à ce plan. Le plan de recherche comprend plusieurs titres organisés pour rédiger. Pour nous, on, nous avons ciblé, nous, notre objectif est de rédiger un article scientifique qui porte le nom euh, Allocation dynamique de la bande passante pour la qualité de service dans les, les passerelles IoT. Nous avons, euh, nous avons associé des mots-clés à ce, à ce nom de recherche tout en spécifiant la langue de notre recherche. Dans notre plan, nous avons visé à à ajouter des, des, des titres et des sous-titres pour, pour cibler la méthode proposée ainsi que, que les, les, évalu les évaluations pardon, des, des performances de notre, de notre méthode, tout en spécifiant des sous-titres ouais. euh, euh, qui, qui attaquent les, 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 la comparaison de notre méthode avec les, les autres méthodes existantes dans la littérature. De plus, nous avons, nous avons inclus des questions. Ah, et des mots-clés sur les futures recherches, cela nous a montré comment Scobot a pu, euh, aider, euh, a pu, a pu nous aider à trouver des, des, des nouvelles idées pour créer plus d'articles de recherche facilement. Et on va voir ça en détail dans les perspectives. Donc, au niveau de, de notre plan de recherche, nous avons ajouté 12 titres, et 12 titres principaux, ainsi que 30 sous-titres dans notre plan de recherche. Donc on est fini à vous à, à poser notre plan de recherche. On passe maintenant à vous montrer comment on, on a pu euh, ajouter des références à Scobot ou sur Scobot. Donc, sur Scoboot, on, euh, on, on a pu poser ou télécharger 20 références qui comprennent 210 pages. Euh, au niveau de Scoboot, vous avez la possibilité soit de voir la le, 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 le référence, soit de l'éditer. Si vous avez euh, commis des erreurs au niveau de, du titre de votre référence, vous pouvez le changer grâce à Edit ou euh, Modifier. Vous pouvez le, le changer ainsi que vous pouvez euh, modifier l'auteur. Euh, vous pouvez poser, lorsque vous voulez ajouter un titre ou télécharger euh, pardon un, euh, une référence, vous pouvez ajouter le, le, le nom et, et le titre de, du premier auteur. Soit du premier auteur, soit des autres auteurs de, de, de du référence. Vous pouvez même ajouter les, les, les revues ainsi que le volume ainsi que que l'année du parisson de notre euh, référence élue. Euh, Donc au niveau des des résultats, normalement avant, on a fini à, à poser notre plan de recherche. Nous avons, nous avons pu télécharger les références liées à ce plan de recherche. Ensuite, nous avons discuté les résultats. Où nous avons pu avoir des résultats sur SCOBOD. Au niveau de SCOBOD, on a deux types de résultats. On a deux scénarios. Le premier, le premier scénario, on a, on a pu avoir des, des résultats grâce à, à un algorithme, le premier algorithme sur... Scobot ainsi que on a, on a pu avoir de plus de précision dans les résultats euh, obtenus euh, grâce à SCObot. Donc Scobot a automatiquement sélectionné des, des extraits depuis les, 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 les références déjà téléchargées sur SCObot et les associé à chaque titre et sous titre déjà posés dans, dans, euh, dans le plan de recherche. Au niveau de au niveau de, des résultats vous pouvez voir que vous avez la possibilité de traduire votre votre extrait ou là, votre paragraphe selon les trois langues vous pouvez les traduire soit à la langue française, arabe et même anglaise et au niveau de au niveau du deuxième scénario vous, vous constatez euh, clairement qu'il y a de, des différences entre les résultats du premier algorithme et le deuxième, ou plutôt le premier scénario et le deuxième scénario. Donc au niveau du deuxième scénario on a pu euh, voir qu'il y a plus de précisions que le premier scénario. Donc vous avez le choix de, 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 de choisir les, les les extraits ou les paragraphes qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous euh, que, que vous voyez qui, qui sont pertinentes pour vous. Donc, lorsqu'on a pu avoir des résultats, normalement, on doit exploiter ces résultats. Donc, on y, on, Scobot vous donne la possibilité d'avoir ou, ou de générer un draft ou de télécharger un draft. Qu'est-ce que ça veut dire un draft En français, c'est un bruyant. Ce bruyant, vous devez euh, premièrement euh, créer un bruyant sous euh, sous Scobot ou sur Scobot euh, en lui affectant un nom. Après l'affectation du nom, vous devez au niveau de au niveau des résultats ajouter ajouter les 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 paragraphes ou les extraits pertinents dans le dans le brouillon ou dans le draft. Donc après avoir sélectionné les 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 paragraphes pertinents dans le dans le draft déjà créé qu'on qu'on l'a déjà appelé comparaison ou مقارنة بالعربية euh, dans, 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 cette, dans cette partie, vous avez euh, le choix de, de soit, bien sûr, vous avez, vous avez la, la, la possibilité de faire la traduction en trois langues. J'ai déjà mentionné ça. Euh, vous, vous constatez qu'au niveau des, des extraits ou du, du paragraphe tiré depuis les, les références, je vous tire à votre attention que les paragraphes se tirent comme il est. Euh, depuis les références. Donc, il n'y a pas de génération de, de, soit de, pardon, de générative de contenu. On génère pas un contenu, mais on, on essaie d'extraire les, 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 les paragraphes comilés depuis les références euh, dans les, dans, dans les, les titres et les sous-titres pertinents. Donc, au niveau de cette euh, paragraphe, vous avez, le, le, vous avez la, la référence depuis laquelle c est, c est, de, depuis lequel cet extrait est-il est euh, tiré, ainsi que la page d'où viennent le devient ce, cet extrait. Vous avez l'option d'aimer ou de ne, de ne, pas aimer cette, 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 paragraphe. Si vous aimez cette paragraphe, vous, vous, vous donnez à Scobot une récompense de, 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 de mieux vous extraire plus de, de, plus en plus des, des extraits. Des extraits plus pertinente. Si vous, vous n'aimez pas cette, cette paragraphe, automatiquement, cette paragraphe va être va être pas généré dans dans le dans le bruyant euh, final. Donc, une fois que j'ai terminé, j'ai téléchargé un bruyant en format Word contenant quoi Contenant les extraits choisis avec, avec des citations. Et je vous tire votre attention que dans ce world, dans ce, dans, dans ce, dans dans ce bruyant, hein, on a pu avoir 22 pages de résultats. Donc, et bien sûr, vous aurez même les références d'où viennent les extraits que vous avez choisis euh, lorsque que, que, que Scobot a, a vous, a vous généré les résultats euh, pertinents. Donc en guise de conclusion, je peux dire que Scobot m'a fait gagner énormément de temps car déjà dans le processus traditionnel et traditionnel manuel, on a on a pu dire ce que Scobot a réalisé en en quelques jours seulement. Donc je veux tirer votre attention que ou là je vous rappelle que Scobot euh, euh, a comme euh, comme avantage le fait d'avoir une recherche avancée. Il 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 peut vous euh, vous aider à convertir d'une d'une qualité qui est haute depuis PDF en Word. Il a une une traduction qui est approfondie ainsi que l'utilisation de de Scobot il est assez assez facile à à utiliser il vous il vous gagne il vous conserve ou gagne plus plus de temps et bien sûr tout cela va vous euh, va vous euh, va vous va vous rendre ou la voix vous va rendre votre productivité de plus en plus euh, plus élevée donc au niveau des perspectives en n'oubliant pas qu'il y a des perspectives euh, normalement on a posé un plan le premier plan de recherche. Ensuite, on a pu avoir des résultats. Ces résultats, on a, on a pu discuter euh, la méthode avec d'autres méthodes, ainsi qu'on a pu avoir des nouvelles idées. Donc, c'est le fait de découvrir des futures directives de recherche depuis le plan de recherche exposé dans cette présentation. Nous avons pu ajouter une nouvelle recherche sur SCOBOT. Cette nouvelle recherche, on a pu préparer et ajouter un nouveau plan de recherche et télécharger bien sûr des, nouveaux, des nouvelles références sur Scopus et on a pu avoir des résultats et ces résultats bien sûr sont, vont être bien sûr, on a pu télécharger le, le bruyant au format Word dans, dans lequel on travaille jusqu'à présent. On travaille sur notre nouveau article scientifique qui va être, euh, Inshallah, euh, publié euh, d'ici la fin de, du mois de Ramadan, euh, Inshallah. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci. Merci à vous également, docteur Imen. Vraiment, nous avons, ou plutôt nous sommes très honorés et, et d'avoir eu la chance d'entendre. Euh, de vous entendre en tant que spécialiste en informatique en train de partager votre parcours avec SCOBOT, votre présentation vraiment détaillée, euh, illustre vraiment de manière, euh, si on peut dire, convaincante l'impact positif de l'IA ou bien de l'intelligence artificielle euh, sur la recherche académique euh, et souligne euh, aussi euh, l'importance cruciale euh, de l'adoption ou bien l'adaptation aux avancées euh, technologiques. Euh, merci à vous, euh, Imen. Et permettez-moi encore de vous poser les mêmes questions, si vous me permettez, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, euh, que pensez-vous de la période ou bien la durée que prend la recherche avec euh, le scobot par rapport euh, à la durée euh, consacrée euh, lors d'une lors étude, étude ou bien d'une recherche euh, d'une façon traditionnelle? Donc, je peux dire que, de, que Scobot m'a fait gagner énormément de temps et fait euh, sincèrement énormément de temps, euh, car on sait déjà que le processus traditionnel et manuel aura, pu, ou là, aura pris euh, des mois et des mois pour accomplir ce que Scobot a pu réaliser en quelques jours euh, seulement. Euh, merci. Donc, la deuxième question euh, est euh, est-ce que vraiment Scobot vous a aidé à générer de nouvelles idées voilà, c'est ce que, ce que j'ai pu illustrer dans cette présentation, c'est que grâce à SCOBOT, j'ai pu avoir des, des nouvelles idées et des nouvelles directives de recherche. Du coup, je peux dire que oui. Merci aussi. Donc, que pensez-vous de la capacité de SCOBOT de vous aider à bien comprendre votre sujet Je peux dire que SCOBOT, il donne la motivation de chercher des gens. Avant de avant dire, de okay. voilà, de chercher, il vous donne. Ah, euh, parce que, voilà, parce que le souci qu'on a en tant que chercheur, c'est que qu'on perd de la motivation. Oui, du coup, vrai. je peux dire que, que Scobot nous donne la motivation de chercher et le fait de poser le, 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 premièrement euh, une première version d'un plan ça vous donne, ça, ça nous donne l'envie de, de rectifier et de modifier le plan. Du coup, à chaque fois on modifie, on rectifie le, le plan, on trouve des on, on peut dire que Scobot il il améliore le, 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 la compréhension de notre de notre sujet. Oui, justement, ils nous encourage à faire d'abord le premier pas. Oui. C'est bien. ça oui ouais. et que pensez-vous de sa capacité à vous aider pour la ou bien dans la discussion de vos résultats donc je peux dire au niveau des, de la discussion je peux tirer l'attention l'idée de, de monsieur de docteur Said. il a dit que, que pour, pour discuter une, une un, un résultat c'est mieux de, de prendre vos résultats et essayer de discuter -les. Je pense que j'ai bien compris l'idée de M. Monsieur, de monsieur Sell. Donc, je peux dire que j'ai pris un article déjà publié et j'ai essayé de, de, de le poser à Skobot. Du coup, euh, j'ai pu trouver que Skobot a pu discuter de le résultat de, de mon article, de mon ex-article. Euh, par rapport aux euh, au résultats des, 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 euh, des autres méthodes déjà trouvées dont déjà, déjà sont, 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 sont implémentées ou là, sont, sont, sont euh, déjà proposées par d'autres euh, auteurs dont, dont les, les références que j'ai déjà téléchargées sur sur Score. donc je peux dire que, que oui merci passons maintenant à la question de docteur pays. d'accord. il vous pose la question est-ce que euh, avec Scobot, on peut commencer par n'importe quelle partie, la partie que nous voulons, soit la partie de revue de littérature, soit discussion, même voie, voire même conclusion, ou bien on doit suivre euh, le processus ou bien l'enchaînement dans notre, euh, notre recherche. Donc, je peux dire que, que vous, qu on, peut, qu on peut commencer par n'importe quelle partie. Euh, parce que déjà, à mon expérience, là, le, 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 le premier contact avec Scobot, j'ai commencé avec la partie discussion. Du coup, je peux dire que que oui, on peut commencer. Mais pour les gens qui peuvent commencer avec n'importe quelle partie, ils vont, ils, ils, ils doivent, ils doivent avoir euh, l'expérience déjà au niveau de, de la rédaction. Je peux dire ça. D'accord, merci.

الخامس هي قالت انها يعني ممكن البدايه باي من من يا اما ممكن البدايه حتى بمناقشه نتائج او 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 بالنسبه للاول يعني لغوي ليتيراتور ذهبت الكلمه دكتور دكتور سعيد حضرتك معانا معاك يا دكتور هو احنا عايزين عايزين نقول رساله بس دكتوره دكتوره تكون شافتها فعليا يعني دكتوره هل هل له في الت... في المعامله مع نوع معين من البحوث ولا هو مع كل حاجه على حسب ما نوظفه ما معنى يعني واش عنده وش باترن يعني, هو صالح فقط بعد البحوث او بع او بعض اجزاء من البحوث ام يمكن استعماله في جميع مراحل البحث يمكنه استعمال Est-ce que Scobot pourrait être utilisé dans toutes les étapes de recherche, c'est-à-dire revue bibliographique, discussion, et même voir l'introduction et, et la, 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 la conclusion, ou bien normalement elle est euh, utilisée pour bon, crée... certaines parties de, de thèse Non, on peut l'utiliser dans notre la, 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 la première question de, de NF avant ça,

ليه نظام واحد بس بيمشي عليه اسطنبة ماشي عليها يعني الطريقه دي هي اللي مديها بيديكي نفس النتائج بنفس الشكل ولا متغير حسب الفقره وحسب السؤال وانت لمست دي هوضحها لك اكتر لمست دي في حته مهمه جدا وانت بتعملي عصف فكري لما عصف ذهني لما غيرت الليميتيشن بتاعت الديس ادفانتج ل لمميزات لعيوب لحدود ل... وما الى ذلك فهو متماشي معاكي ولا ما تمشاش معاكي؟ يعني ماشي على حاجة واحدة بس؟ يعني دي طريقة واحدة بس للتعبير ولا هو بياخد أكثر من تعبير وبيحلل أكتر؟ أو بيحلل مضمون لكل حاجة بلاش لحاجة واحدة بس. لعلم واحد بس يعني. هو ليس لديه طريقة واحدة يمكن 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 استخدام يعني طرق متغيرة. ويمكن من هذه الطرق المتغيره استنباط او استخلاص نتائج متغيره يعني ليس لديه يعني طريقه قمت... وحيده متفاعل معاك م. نعم ما بتمشي في اي هو بيمشي فيها او بتمشي في اي طريقة هو بيمشي معاكي مظبوط نعم. نعم نعم طيب آه هو يصلح بقى انا بص هوضح هعف... هعف... لحضرتك نقطه بس سكوب بعتمد على الفقره والفقره بتعتمد على الكلمه واحنا بنحلل الكلمه ومدلولاتها فبالتالي انا بتعامل مع الفقره هل الفقره دي موجوده الفقره اللي موجوده في التجارب التجارب السابقه او الدراسات السابقه هي نفسها الفقره اللي موجوده في نتائج التحليل الاحصائي اقصده ايه لما اكون بناقش النتائج <applause> لما اكون بناقش النتائج هل انا أ... أ... بسم الله الرحمن الرحيم لما يكون بنناقش النتائج هل انا اسئلتي اسئلتي ما بلهاش ما فيش ليها اجابه وهل نفس لو كنت بسال في في الماتيريال اند ميثود هل ملوش اجابه من ناحية ايش؟ من ناحية حيات... لم افهم المقصود الاخير، هل تريد ان تقول دكتور سعد ان ان الكلمات اللي في المفتاح تلعب دورا كبيرا في استخلاص ولا في است... لكي نحصل على نتائج اكثر هل هذا ما تقول مظبوط مظبوط نعم. يبقى يبقى الكلمات انا بغيرها وهو بيتفاعل معايا فبيتفاعل معايا بدي نتائج وده حصل مع حضرتك نعم ساعطيك مثال لكي ترى هل فهم جيدا ام لا ساعطيك مثال يعني حسب تجربتي عندما كنت أود أعلم أن هناك فقرة معينة أود أن أراها في سكوبوت كنتيجة فقمت بوضع يعني كلمات مفتاح معينة يعني عشوائية في سكوبوت ولاحظت هل سكوبوت سيتم سي... سيكون له القدرة على اقتباس تلك الفقرة أم لا؟ فعندما وضعت الكلمة الأولى يعني الكلمة المفتاحية الأولى لا السكوبوت لم يستطع اقتباسها، لماذا؟ لأن الكلمة لم تكن موجودة في الفقرة، لا الكلمة ولا شيء يعني مشابه لتلك الكلمة. ففكرت فقلت هل يمكن هل فقمت ببحث بسيط يعني عن, عن السينونيم او المرادفات لهذه الكلمه وعندما قمت بوضع كلمه مرادفه سكوبو تمكن من استقطاب تلك الفقره لذلك العنوان الفرعي هل هذا ما تقصدون تقصدونه دكتور سعد؟ ده اللي اقصده فعلا، ده اللي اقصده فعلا. وحضرتك عشان كده هتبتدي انك انت انت كنت, إن كنت فين؟ انت كنت الفقره دي كانت في انهي جزء من الرساله او من البحث؟ في انهي مرحله؟ امم كنت مم. مم. كنت, كنت انا كان تركيزي على على مقارنه يعني طريقتي مع الطرق الموجوده في المراجع اسال حضرتك سؤال نعم هل بعد ان جربتي ان تجربي تغيري اكثر من كلمه؟ هل مم. تتوقع ان المقدمه اللي هتكتبيها نعم تختلف عن قبل استخدام سكوت اه تختلف الى الى الافضل نعم الى الافضل الى الافضل لا الى الافضل الى الاعمق الى, إلى الاعمق حضرتك الافضل والاعمق بالسيناريو الثاني اللي... حضرتك, حضرتك كده انا انا ببقى درست درست البحث بتاعي او درست النقطه اللي انا بدرسها دي فهمتها اكتر درستها اكتر مم. فعرفت خباياها أو إيه النقط الضعف والقوة وهكذا مظبوط؟ طب معنى أنا لما أجي في المناقشة مناقشة البحث ده لو أنا هعمله برزنتيشن وناقشه هل هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ هيفيدني هيفيد يبقى مم. ده اتسأل بالفعل من أستاذ البشواني شريف قال هل هل هيفيد في المناقشات في المناقشات البرزنتيشن يعني؟ نعم يفيد نعم يفيد طب وهل يفيد في مراجعات الريفيور نفس الطريقه نعم نفس الطريقه نعم نعم اه اه نعم. يعني كده هو معاكي وبيوضح الفكره كمان اكتر طب ممكن, ممكن اقول اقول لحضرتك على حاجه ونمشي مع بعض سوا فيها كل البحث بعد ما عملت وكتبت الفقره في الفقرات كلها بتاعتك ودخلتيها اضافه الى باسم إيمان. ناو. أو ال ال ودخلتيها واسم برضه اسم تايتل دكتور إيمان. والاسم والأسر إيمان والتاريخ ناو أي تاريخ تحطيه. مم. هل لو شفت على سكوبوت وعملتيها وحطيتيها كنوع كنوع من الريفرنس بالنسبة لك. مم. هيديك نتيجة إيه؟ لم افهم الـ 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 يعني ما تريد هتشوفي لك انت هتشوفي الجزء اللي انت كتبتيه وهيجيب لك كمان الاجزاء الاخرى اللي انت خدت منها خلاص فصوره اكتر دي هنعملها سوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مقتنعه بس انا مقتنعه جدا اتمنى ان انا اشوف النتيجه بس انا شكرا دكتور سعيد شكرا شكرا دكتور ايمان